الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bien devant l'actualité et l'urgence, et le message que nous avons envers notre humanité, que nous avons plein de compassion et de sensibilité, car la fraternité universelle et l'amour universel est le slogan que nous portons et dans lequel nous avons été formés, préparés pour être des soldats de l'amour, des soldats de la miséricorde, sans haine, ni au contraire, que le désir de partager et d'élever la pensée et la conscience. Actualité aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous avons un virus avec un numéro 19. Coron, je ne sais pas trop quoi. Hein? Coronavirus 19. Corps 19. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on a parlé du code du 19. Il y a un corona qui sort du 19. D'accord. Tout ça pour vous dire, nos prières vont vers ceux qui sont malades, dans l'épreuve de la maladie et de la souffrance pour certains. Nos prières vont vers eux, mais nos compassions pour leur famille. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en tant que religieux, nous ne voyons les choses qu'à travers les signes. Le religieux est un monde des signes, ayat, le monde des ayat qui correspond, que Dieu nous donne des signes, des repères, et une correspondance à travers les signes, les livres, la prophétie, les révolutionnaires, les prophètes, pour maintenir l'équilibre et de faire revenir à l'unique et de faire comprendre que l'unique est le signe des signes. Et aujourd'hui, avec vous, ce signe qui apparaît d'une pandémie possible, d'une contagion qui s'étend et qui peut aller de nation en nation, et ces isolements qui risquent de se faire, ces quarantaines qui risquent de toucher plusieurs villes, espérons non, mais il est possible que nous y allons. Donc, je fais cet appel à tous nos frères et sœurs, et quelle soit la religion, de savoir lire les signes. Entre parenthèses, le Cheikh tout à l'heure, il me disait que selon les hadiths, et selon bien sûr l'évangile de Jean, l'Apocalypse et nos hadiths concordent pour dire qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de perturbations, d'épidémies, de tremblements de terre, de maladies, de pandémies, de contagions, etc., 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 et de guerres. Et parmi ces hadiths, il est dit que les guerres se feront dans le Moyen-Orient, mais que les pandémies et les maladies se feront en Occident. Ça veut dire que l'humanité va perdre de son potentiel énergétique à travers deux choses. Les pandémies, les tremblements de terre, la nature qui se réveille pour dire assez de désordre écologique, assez de désordre de pression contre notre nature, notre terre, et elle se révolte et elle donnera ce qu'elle donnera comme épidémie, comme etc., etc., etc. Tremblement de terre, comme ouragan, comme feu, comme etc. Selon l'évangile, les guerres, enfin selon nos hadiths, les guerres se feront dans le Moyen-Orient, mais en Occident,
ce sera plutôt les pandémies, les maladies qui ravageront notre humanité. Bien entendu, en tant que religieux, je crois à cela. Je crois à cela et c'est le destin posthume de notre humanité occidentale. Quand je dis de notre humanité posthume, l'Occident, et nous nous introduisons en Occident parce que nous vivons dans cet Occident et nous allons être touchés. Si cela doit arriver, il est bon de prendre ces précautions. Bien entendu, ces précautions, c'est dans la nature du message que nous avons, la pureté est un moyen d'adoration, est un moyen de chercher la pureté et de garder la pureté. Pour nous, on se lave 5 fois par jour pour faire l'ablution, pour faire la prière. En dehors, bien sûr, de se laver les mains pour la nourriture quand on se met à table, etc. etc. Ça veut dire que les mains peuvent être porteurs de virus. Et de ce fait, si nous appliquons ce qui doit être appliqué, selon la révélation, nous serons un peu immunisés dans ce sens-là. Là, je vais le dire avec sourire, les burqas maintenant vont être distribués et tout le monde va vouloir mettre un burqa. Bah, soyez les bienvenus, mais c'est dommage que vous venez à cela. Tout ce que vous interdisez, on dirait que maintenant vous rentrez dans un cycle où vous le recommanderez. C'est bizarre parce que ça me fait rappeler, je le dis sagement, l'histoire de Moïse et de Pharaon avec les 9 signes. À chaque fois que Pharaon décide de mettre une loi ou de pouvoir stopper les enfants d'Israël dans leur action, dans leur désir ou dans leur prière, ou c'est les mêmes termes qu'il emploie contre les enfants d'Israël qui reviennent vers lui. La même calamité qu'il pousse les enfants d'Israël à recevoir des châtiments, ces châtiments, ce sont les 9 signes qui reviennent vers lui. Enfin, vers lui, vers sa communauté. Je ne dis pas ça avec légèreté, je dis ça que le mal que nous sèmons, nous le récolterons. Donc, de grâce, que la paix soit dans la nation, sans stigmatiser les musulmans, sans stigmatiser qui que ce soit. Notre unité, ce sera plutôt la réconciliation et la fraternité entre tous les citoyens. Ne cherchons pas avec des termes des pandémies de l'esprit, de la réflexion, de faire penser que les musulmans, c'est des terroristes. Non, les musulmans ne désirent que la paix et vivent sereinement avec et dans le voisinage où ils sont. C'est tellement recommandé par le prophète qu'on avait l'impression que les compagnons disaient, on avait l'impression que les voisins avaient droit à l'héritage de ce que nous avons. Tellement que le prophète recommandait l'environnement et le voisinage. Donc nous voulons vivre en paix. Et nous voulons vivre en paix en pensant pouvoir apporter un réconfort, de pouvoir porter une conscience. Et dans cette conscience et ce réconfort, je vous le dis, moi, votre frère ou votre ami, Yahya Qawasimi, de vous dire tout simplement, notre unité, notre paix, ce sera notre sécurité. Non seulement notre sécurité et notre fraternité devant la mère nature et écologique, mais devant l'économie, devant la sécurité nationale, devant tous les devoirs à laquelle nous allons pouvoir y goûter dans cette fraternité, il y a un secret. Et de ce secret de fraternité naîtra l'harmonie, la paix, et la reconnaissance, et la réconciliation. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous recommander? S'il y a risque de pandémie, prenez un peu de secours et un peu d'avance dans ce que vous aurez à gérer pour votre famille et votre entourage. Prévoyez de la nourriture, stockez de l'eau. Faites en sorte que s'il y a une quarantaine, vous êtes un peu prévoyant, un peu vous anticipez
les risques qui peuvent nous toucher et vous prévoyez pour apaiser la crainte de vos proches d'avoir les moyens de pouvoir subsister une quarantaine de jours. Et peut-être que la clémence de Dieu fera éloigner ce virus du 19 de nos portes et de toutes les portes de l'humanité. C'est de cet esprit que je voulais faire avec vous cette vidéo pour vous alerter et vous donner de l'espoir. Que Dieu prête assistance à tous les déshérités de cette terre, à tous ceux qui reçoivent des bombes, des missiles, et qu'ils meurent injustement, qu'ils subissent l'injustice. Et que Dieu préserve notre humanité de ce virus, et de cette maladie, cette pandémie et cette contagion qui risque de s'étendre et toucher nos foyers. Que Dieu protège le foyer de la famille humaine. A très bientôt, votre ami Yahya. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. We'll be right back.